Il ne faut pas que ça t'étouffe. Hein. On doit boire ça, tu dois boire ça tout doucement. Ok? Mmh. J'ai l'impression que cette tonne t'a pas suffi. Ouf. Ok, d'accord, j'apporte ton biberon, ok bébé? Ne pleure plus, ok? Mon bébé ne pleure plus, j'apporte ton biberon. Hey guys, salut, moi c'est Christian. Beaucoup d'entre vous me connaissez déjà. Aujourd'hui c'est un jour très spécial. Vous savez ce que j'ai décidé de faire de ma princesse Suzanne? Elle est déjà mon bébé, elle est maman et elle allait également notre bébé. La surprise que je vais faire Suzanne aujourd'hui, c'est quoi? J'ai décidé de faire de Suzanne mon bébé pendant 24 heures. Beaucoup d'entre vous vont se poser la question, bébé comment? Mais on ne comprend pas Christian, bébé comment? J'ai décidé qu'aujourd'hui, c'est une surprise pour Suzanne. Là, ce que je suis en train de vouloir faire, je suis là dans ma voiture, je suis en train d'aller payer les ingrédients nécessaires pour gérer Suzanne qui est mon bébé pendant 24 heures. J'aurais besoin de quoi par exemple? J'aurais besoin d'un biberon, j'aurais besoin d'une combinaison, j'aurais besoin des petits trucs qui peuvent faire en sorte que quand tu as un bébé à la maison, vous savez déjà ce qu'on peut utiliser pour le bébé. Ça veut dire que Suzanne est derrière mon bébé, mais je veux faire derrière encore un bébé plus spécial. Et oui les gars, et ce qui rend la chose encore plus intéressante, c'est quoi? Je ne sais pas comment Suzanne va réagir quand je vais commencer à la prendre comme mon bébé. Quand on dit bébé, c'est un petit bébé, hein, comme vous aviez votre petit bébé à la maison. Je ne sais pas comment Suzanne va réagir. Soit elle va me dire, oh ben mais c'est quelle histoire ça? Arrête les histoires que tu fais là. Ou bien elle va accepter jouer le jeu. Moi je ne sais pas. Mais je pense que c'est intéressant qu'on essaie le coup avec Suzanne. Parce que Suzanne, c'est une femme très imprévisible. Un peu salie dans mon jeu. Donc, ce que je suis en train de vouloir faire maintenant, je vais aller au supermarché, payer ce qui est important pour gérer mon bébé pendant 24 heures. Et oui, et avant, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec tous vos frères, vos amis, vos connaissants pour que nous atteignions au moins 10 000 à 15 000 likes. Là, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos pour vous faire plaisir. Pour que nous puissions faire des choses encore plus spéciales. Et oui les gars, on se reprend tout à l'heure. Hello les gars, je sors du supermarché maintenant pour trouver une combinaison pour mon bébé. Mais malheureusement, ils n'ont pas la taille 38. Je ne sais pas comment je vais faire pour habiller mon bébé aujourd'hui. Mais heureusement qu'elle a une autre combinaison à la maison. Et je pense que l'autre pourra l'aller. Là, présentement, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'aller à la pharmacie pour payer son biberon. Et j'espère bien que je vais trouver son biberon. Parce qu'il faut que je trouve le biberon de mon bébé. Et oui, les gars, c'est ça quand tu as un gros bébé à la maison. Il faut prendre bien soin d'eux. Hello les gars, je viens de trouver une pharmacie. Là, je vais essayer de garer pour aller payer le biberon de mon bébé. Et oui, on se reprend. À tout de suite. Là, je vais essayer de garer. C'est pas possible là. J'avance. Et je pense que je peux garer ici. Super. Vous savez les gars, trouver le biberon des gros bébés, ce n'est pas évident. Hein? Surtout que c'est un bébé très spécial. Généralement dans les pharmacies, les gros bébés, on met le biberon à part. On voit aussi que c'est un biberon trop spécial. Là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends la route pour la maison. Parce que je pense que mon gros bébé doit déjà avoir bien faim. Là, je peux lui donner à manger. On s'est dit à tout à l'heure. Je mets ma ceinture. Oh,
Suzanne, mon bébé. Je veux te rentrer. Moi, je viens à peine d'arriver. Mon chéri. Oui, mon bébé. Oui, tu peux te lever, je vais changer tes couches, non? Changer quoi, les couches? Je vais changer tes couches, chérie. Qui met les couches? Moi, je vais. Prison, tu entres dans ma chambre sans toquer. Tu ne fais pas souvent ça. En plus, vous me filmez. Que vous m'indigancez quoi? Oh, Suzanne, s'il te plaît, laisse-toi faire. Ok? Quoi? Laisse-toi faire. Je vais changer tes couches, ok? Ok. Viens, hey, Suzanne. Je vais changer tes couches. Je vais changer. Je n'ai pas de couches sur moi. Suzanne, s'il te plaît, laisse-toi faire. Trésor, tu me donnes un instant, je change la couche de mon bébé, je te retrouve, ok? Dans tes pieds. Oh, tu as un visage très pâle là, bébé. Je pense que c'est tellement, tu dois avoir froid, bébé. Tu dois avoir. Tu as soif. Apparemment, il y a l'impression que tu as soif. Ton visage a l'air d'être très déshydraté. Hé, mon bébé. Voilà, tu m'attends ici. Très sagement, ok? Je constate que cette position n'est pas assez confortable pour toi. Laisse-moi prendre le coussin. Ok, mon bébé. Mon bébé, mon doudou. Je te mets, je insiste pour que ta tête soit confortable. Ça, tu dois boire ça tout, tout doucement. Ok? Ah. Donc, tu arrives vraiment soif, hein? J'ai l'impression que c'est ton tas pas suffit. Oh. Ok, d'accord, j'apporte ton biberon, ok bébé. Ne pleure plus, ok? Mon bébé ne pleure plus, j'apporte ton biberon. Ah. Oh là là, j'ai trop traîné mon bébé. Là, tu prends d'abord la tétine, le temps que je tourne ton biberon, ok? Le temps que je tourne ton biberon. J'arrive, vite fait, ok? Je fais ton biberon vite fait.
Eh oui, le biberon est prêt, les gars. Je m'en vais donner à mon bébé. Ton biberon est déjà prêt. Voilà. Oui, c'est bon avec la tétine. Là, je te donne ton biberon. Ça va. Oui, ça va, bébé, ça va. Je te donne ton biberon. Doucement. Ça va t'étouffer, doucement. C'est bon ça, bébé, c'est bon, c'est bien ça. Ce n'est pas ton goût. Mon bébé, c'est pas ton goût. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression que ça doit être très consistant. Ah. Oh, qu'est-ce qui se passe certainement? D'accord, j'ai l'impression que ça ne doit pas être consistant. Là, je vais te faire tes céréales que tu adores beaucoup. Je t'apporte tes céréales, ok mon bébé, je t'apporte tes céréales. Ok? Apporte tes céréales. Les céréales de mon bébé sont déjà prêtes. Voilà. Voilà, viens. Je vais prendre soin de toi. Ça va, bébé, ça va. Je vais prendre soin de toi. Je donne tes céréales comme tu les aimes. Ça chauffe encore un peu. Voilà, c'est bon. Wow. Je sais que tu adores les céréales, mon bébé. Voilà. Le bébé de papa. Papa. Tu les adores, n'est-ce pas? Ils savaient que tu les aimais, tes céréales. Toi aussi. C'est quelle vidéo que tu me fais aujourd'hui comme ça, non? C'est pas encore fini. Quoi? Non, c'est pas fini. Tu es toujours mon bébé jusqu'au aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce n'est pas encore fini. Il faut que tu joues la dernière partie ici. Tu es mon bébé. Couche-toi ici. Non, couche-toi. Tu es mon bébé. Non, ça va. Il n'y a plus de dernière partie. Mais c'est moi qui décide si ça finit. Non, s'il te plaît. Regarde tout le nécessaire pour bébé. Le biberon, le bébé n'accepte pas. Quand j'ai refusé, même c'est pour un peu ta réaction. Je pleure aussi que. Mais tu es mon bébé aujourd'hui. J'ai décidé de faire de toi mon bébé. J'ai beaucoup aimé. C'était trop chaud. Surtout quand il m'a porté, il arrange mes cheveux, il parfait mon biberon. Oh my god, c'est trop beau ça. Alors les gars, voilà. Mon mari a fait de moi aujourd'hui un tout petit bébé pendant 24 heures. Et attends. Ça, c'est pas le biberon que j'utilisais pour l'enfant. Où est-ce que tu as pris ce biberon, chérie? C'est pas ce que j'utilisais souvent. Je n'ai même jamais vu ça dans la maison ici. Tout à l'heure, j'étais blessé quand tu dormais. Je suis allé à la pharmacie spécialement prendre ce biberon pour toi, Suzanne. Oh my god! Alors les gars, voilà, je pense que mon mari, il a
a vraiment, vraiment a réuni tous les éléments nécessaires pour me faire cette vidéo. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu qu'il blaguait en fait. Quand il a dit à Trésor, va dehors et tout et tout. Après, j'ai vu, il a commencé à me mettre les combinaisons et tout et tout. Il me dit, après, je vois, il commence à me prendre comme un bébé et tout et tout et tout. Merde, moi aussi, je le fais comment? Mais qui n'aime pas qu'on le traite comme un bébé? Mais c'était trop beau, hein. Mon mari, il fait, il me nourrit comme ça et tout et tout. Mais Suzanne, j'ai toujours essayé de rappeler une chose. N'oublie pas que c'est toi qui m'as amené dans le train de cette aventure. Hein. Ah bon? Donc, sache que tous les coups seront permis. Ah bon? Et tout ce qui m'est venu, je me suis levé le matin, ça m'est venu par la tête. Il faut que je fasse de Suzanne mon bébé pendant 24 heures. Et je, directement, j'ai porté la voiture. Je suis allé faire le nécessaire. Et ben, voilà! Alors les gars, voilà, ça veut dire que quand mon mari fait les vidéos, vous mettez beaucoup de likes aux vidéos de mon mari, là, ça lui donne les énergies, ça lui donne beaucoup d'énergie, s'il vous plaît, likez la vidéo, d'accord, likez, continuez à liker, mettez même 5000 likes à cette vidéo, et pour que ça atteigne 5000 likes, vous avez seulement besoin de partager dans vos groupes WhatsApp, à vos proches, c'est ça, n'est-ce pas chérie? Bien sûr, à la famille, aux amis, afin qu'ils puissent également regarder, joindre la communauté Suzanne Bonda Blog, likez afin que ça atteigne 5000 likes rapidement et mon mari reviendra toujours avec des belles vidéos comme il le fait. Et si vous voulez voir les sujets prank que je fais avec mon mari, si vous avez un sujet de prank pour moi, laissez-le dans les commentaires de cette vidéo. Je suis toujours la première à lire les commentaires. Et si vous avez un sujet de prank pour mon mari, laissez dans le Instagram qui s'affiche là ou là, qui est Suzanne Bonda Blog. D'accord les gars, je vous ai laissé également, vous avez également le lien Instagram dans la barre d'infos. C'est Instagram là, c'est sur le téléphone, c'est le compte de mon mari, il a ça sur son téléphone. Quand vous laissez un sujet de prank, il est le premier. En fait, c'est son compte, c'est lui qui voit en fait. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire les gars, likez cette vidéo, commentez et partagez. D'accord les gars, on se prend comme d'habitude dans une prochaine vidéo. N'est-ce pas chérie? Alors les gars, vous savez, cette vidéo m'a prise par surprise, je ne vous ai pas salué. J'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller. Alors les gars, s'il vous plaît, partagez pour nous soutenir. S'il vous plaît les gars, surtout likez et commentez comme d'habitude. Et aussi, je tenais également à vous dire que si vous avez un sujet de vidéo pour moi ou bien pour mon mari ou bien pour nous, ou quelque chose que vous voulez nous voir réaliser, laissez-le dans les commentaires ou dans l'Instagram de mon mari. Et pendant qu'on réalisera cette vidéo-là, on va vous faire une dédicace au début de la vidéo en disant que c'était votre idée. D'accord les gars? Donc, s'il vous plaît, réfléchissez également. Vous nous laissez des bons sujets de vidéo. Ce qu'on peut réaliser, on le fait. Et au moment où on fait votre sujet que vous avez laissé dans les commentaires, on va vous dédicacer au début de la vidéo. N'est-ce pas les gars? N'est-ce pas intéressant? C'est intéressant, n'est-ce pas? Très intéressant. Alors, si vous pensez que c'est intéressant également, laissez le mot intéressant dans les commentaires, en plus du commentaire que vous avez laissé d'habitude, ou bien en plus du commentaire que vous avez déjà laissé, laissez encore le mot intéressant dans les commentaires, afin qu'on sache que l'idée vous plaît. Alors, les gars, voilà. Enfin, Suzanne, ferme cette caméra. Oh my God, quand je vous parle, j'ai tellement envie de parler. Raison pour laquelle, de pas vous plaire, que Suzanne, tu parles beaucoup et tout et tout. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Ciao. Maintenant, c'est ton tour de prendre le numéro. Tu vas prendre le numéro. Non, c'est ton tour. Non, tu vas prendre. Donc, tu me fais prendre le numéro. Tu vas prendre le numéro.